Et salut à tous. Aujourd'hui, mercredi, on va faire une intervention, encore une fois, toujours un peu atypique. J'explique pourquoi. J'ai un client qui est venu dans sa cour de poule et en fait, il a voulu bouger cette petite planche. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Cette petite planche qui paye pas de mine. Sauf que lorsqu'il a bougé ça, ben il s'est fait attaquer, clairement. Et vous allez vite voir pourquoi. Donc déjà, j'ai un premier comité d'accueil. Ok. Donc le nid de frelon, il n'est pas là. Vous allez voir, il est ici. Sauf que là, pour aller le chercher, on va s'amuser. Attendez. Ok. Attaque digne de ce nom. Regardez où il est, le nid. Voilà. Vous avez vu ça? Une petite bombe. Carrément à ras le sol. Voilà. Vous avez vu le truc qui paye pas de mine, hein. Donc là les frelons vont sortir tout blanc. Regardez ça. Donc là c'est un nid extrêmement dangereux. Car là il est carrément à même le sol. C'est vraiment de la saloperie. Donc là j'ai changé le nid d'aiguillon. Je vais en mettre un autre.
laissé faire. Donc ouais, le client il s'est fait piquer 4-5 fois là. Donc ouais, là il s'est vraiment logé dans un endroit encore, comme vous pouvez le voir, un peu improbable. Mois d'octobre. Hein. Et il s'est mis à ras le sol. Là franchement, vraiment à ras le sol. Je vais remonter, hein, vous allez voir. Quoi, c'est de la belle. Allez, ça. En fait, c'est mis dans le grillage. Voilà. Taper fort dans le portable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va remettre un petit coup de traitement. Je vais recharger un peu ma poudreuse et c'est fini. Intervention. Donc attention, hein, les nitrons, c'est pas que dans les arbres. On trouve également un ras le sol, vous avez pu le voir. Actuellement, en pleine période de reproduction, beaucoup de rennes. Donc là, le client s'est fait piquer, ça a bien fini, mais ça a pu très mal finir également. Ça fait déjà 3-4 jours qu'il a été piqué, il a encore des douleurs. Donc pour vous dire que voilà, c'est pas anodin le frelon asiatique, espèce invasive. Il faut vraiment les traiter, cette saloperie. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.